Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle voie d'Emma. J'ai des choses à vous raconter aujourd'hui, ça risque de vous intéresser sur votre prochain shopping, votre shopping épicerie ou tout simplement avoir envie d'aller voir mamie. Bah oui, vous vous souvenez, toutes ces personnes qui se sont fait vacciner pour aller voir papy et mamie sans les mettre en danger de mort, eh bien ces mêmes personnes vont bientôt pouvoir aller les voir avec leur petite voiture, pourquoi pas électrique, hein, même si ça coûte maintenant un rein pour faire le plein. Bah oui, évidemment, on a voulu sauver l'Ukraine en se faisant un harakiri, parce que les mesures contre la Russie, en fait, on appelait ça les mesures européennes. En fait, c'est des mesures contre les Européens, je pense que vous avez compris. Puis si vous avez encore des amis qui mettent le drapeau de l'Ukraine en encensant Zelensky, vous pourrez leur dire que Zelensky, c'est un fin limier, oui. Parce qu'il loue ses villas aux Russes. Bah oui, il n'est pas con, hein, Zelensky. Évidemment, il faudrait être abruti pour se priver. Ou européen, voilà. Donc, vous pourrez dire à ces personnes-là qui vont faire le plein de leur Tesla en vendant leur rein, puisqu'elles n'auront plus les moyens bientôt de le faire, que ça va bientôt s'inscrire dans un pass carbone ou un pass climatique. Ou si vous n'êtes pas complotiste, vous pouvez dire tout simplement la carte Doublac. Voilà, cette nouvelle carte extraordinaire qui, si on en croit la plupart des journalistes, en réalité donne plus de pouvoir aux consommateurs, parce qu'évidemment, c'est comme ça qu'on va vous le présenter, comme étant une avancée technologique, parce que vous allez sauver la planète. Oui, parce qu'en 2020, le virus dangereux, c'était le coronavirus. C'était lui qui était dangereux. Et en 2022, et vous allez voir dans les prochaines années, ou mois, hein, ça dépend de la rapidité à laquelle on va assister à ces joyeusetés, le virus dangereux, les amis, c'est vous. Et oui, c'est vous. Bah, je pense que vous le voyez quand même venir un petit à petit. C'est vous parce que pour le moment, pour sauver l'Ukraine, vous allez, et nous allons tous ensemble, nous geler les miches dans les semaines à venir et devoir peut-être justement vendre un organe ou deux pour pouvoir se payer un minimum d'électricité s'il y en a. Par contre, le nouveau virus, donc, qui est vous hein, pour la planète, eh bien, on va essayer de le contenir avec des nouvelles technologies et grâce à des sociétés adorables qui ont vraiment le cœur sur la main pour sauver la planète. Donc, vous avez Doconomy, ce sont des entreprises en Suède qui s'allient avec Mastercard, enfin bref, avec toutes ces personnes qu'on connaît pour leur bienveillance. Hein. Vous savez, les banquiers, c'est aussi reposé sur des travaux de la Banque mondiale, tout ça. Et puis, ça a été mis en avant et évidemment complètement accrédité par le World Economic Forum. Je ne vous le présente plus, vous connaissez Klaus Schwab, notre cher Klaus Schwab, qui est donc à sa MEC à Genève, pas très loin de chez moi d'ailleurs. Eh bien, ce projet se veut comme étant un projet qui redonne du pouvoir au consommateur qui, lui, a une conscience. Moi, j'en ai pas. J'ai un vélo qui est là, et comme vous voyez, je sais pédaler et j'aime faire du vélo. Mais je ne le fais pas pour sauver la planète, je le fais juste parce que j'aime. Je suis profondément égoïste. Mais il y a des personnes comme Klaus Schwab, il y a des personnes aussi, bah, Bill Gates, ça fait longtemps que j'en parlais pas, mais lui aussi, il pense à vous et il pense aussi beaucoup aux animaux. Donc, il fait maintenant de la viande synthétique d'ailleurs. C'est son grand dada hein, et je pense que Bill Gates a une profonde adoration pour les personnes véganes. Quoi qu'il en soit, les personnes donc qui seront bienveillantes comme toutes celles qui travaillent pour cette Go Do Black Card, eh bien, vont faire une espèce de nouvelle tendance où on va jouer sur votre culpabilité une fois de plus. C'est-à-dire qu'avant, vous risquiez de tuer vos voisins et puis tout ce qui bougeait parce que vous étiez asymptomatique, mais potentiellement dangereux. Mais maintenant, maintenant, les amis, eh bien, rendez-vous bien compte que vous êtes une calamité pour la Terre, tout simplement parce que vous allez acheter un avocat. Et attention, quand on achète un avocat, il vient de loin. Donc forcément qu'il est coté avec un certain nombre de, on va dire, de crédits carbone. Et ce système, il fonctionne comme ça. Vous avez des entités. Alors évidemment, maintenant je sais que vous êtes bien avertis, je le précise pour ceux qui ont besoin d'être sûrs de ça, ce sont des entreprises qui sont évidemment dans les mains de personnes privées, hein, faudrait quand même pas exagérer. Donc vous avez des personnes qui, dans le secteur privé,
vont vous dire, eh bien, si on achète un avocat à Paris, on estime qu'il a tant de petits points, ça coûterait tant de points en termes d'émissions carbone. Et donc, quand vous avez, par exemple, on vous donne 100 points peut-être par mois, hein, je vous dis ça comme ça pour que vous donniez un peu une image, eh bien, si vous prenez un avocat, ça vous en enlève peut-être 20 ou 2 ou 5, ça dépend des mesures. Très bien. Alors, j'ai envie de prendre un avocat. Super. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Ah bah tiens, j'ai envie d'aller voir justement mamie. Voilà, parce que je me suis quand même fait 5 doses. Hein, et puis, j'ai envie d'aller la voir parce que c'est quand même pour ça. Et puis, comment je vais y aller? Bah, si j'y vais en bus, ça me coûte peut-être 0,5 points. Si j'y vais en train, ça me coûte peut-être la même chose, voire un peu moins. Si j'y vais donc à d'autres poneys, alors là du coup, ça sera à quantifier parce que le poney lui aussi émet des émissions de gaz. Mais si vous y allez en avion, les amis, vous êtes foutus. Parce que vous pourrez peut-être plus bouffer si vous partez en avion. Parce que ça va vous prendre un certain montant sur votre seuil. Mais comme les choses sont bien pensées, puisqu'évidemment on a affaire à des personnes qui ont 4 coups d'avance. Hein ? Et c'est le problème de la masse, c'est que la masse, non seulement elle n'a pas 4 coups d'avance comme aux échecs, elle n'en a pas 3, ni 2, ni 1. C'est qu'elle n'est même pas dans l'instant présent pour comprendre ce qui se passe. D'accord ? Donc, vous avez là tout un système qui fonctionne avec une quantité qui sera donnée, un peu comme le permis à points en France, hein. Peut-être que les amis d'autres pays, vous ne connaissez pas cette spécialité-là. Et puis, vous allez pouvoir racheter, comment ça s'appelle, des droits d'émission carbone. Vous allez pouvoir les racheter à vos voisins qui sont pauvres. Ça, c'est génial. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez un voisin qui est pauvre, parce que ça, c'est... Moi, je reprends les mots que je lis. Hein. Vous savez, moi, je n'invente rien. Par contre, comme je le dis depuis tant d'années, je sais lire et je sais compter. Donc, j'ai lu, et d'après mes renseignements, je me rends compte effectivement qu'on peut aider son prochain pauvre en lui rachetant ses droits d'émission carbone. Donc, par exemple, vous avez donc un voisin pauvre qui vous dit « bah moi, je reste dans mon canapé et je te cède mes droits, je te les vends pour que tu puisses non seulement aller voir mamie en prenant l'avion, mais en plus acheter un avocat, plus aller au restaurant avec un scooter, plus... » Donc, en fait... Je sais que là, vous êtes en train de vous dire « Non, mais c'est pas possible. » Ce qui était avant une réalité pour vous comme étant la vie courante, hein, certains osent encore parler d'acquis sociaux. Hein. Vous savez ce que vos ancêtres ont fait à coup de lutte pour les acquis sociaux, pour le respect, pour les droits de l'homme, vous voyez, toutes ces choses-là, ces vieilles choses poussiéreuses. Vous savez pourquoi toutes ces choses-là n'existeront bientôt plus ? Eh bien, parce qu'elles ne sont pas éco-friendly. Et vous verrez qu'à force de subvertir le langage et de confisquer le vocabulaire et d'inverser le sens des mots, en 2 temps 3 mouvements, vous vous rendrez compte que vos voisins et tout votre entourage trouvera ça normal. Et ça, c'est extraordinaire. La manipulation des foules est la fabrique du consentement. C'est grandiose. Quand vous voyez l'urgence climatique actuelle, vous pouvez vous asseoir sur tous les acquis sociaux, sur tout ce dont vous avez pensé être la norme pendant des années et depuis que vous êtes né. Vous pouvez faire un beau tableau et vous pouvez dire bye bye à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'avec ce qui pend au nez, aux masses, avec non seulement l'agenda 2030, mais surtout... Toutes ces choses-là veut dire que quand vous aurez votre carte, parce qu'évidemment, pour le moment, c'est facultatif. Au Japon, ça existe déjà, il y a des millions de consommateurs qui utilisent ça. Et puis, c'est évidemment sur la base du volontariat, comme à chaque fois. Et puis, quand on aura cette vertu qui va commencer dans le cœur des gens, petit à petit, on va dire, bon, maintenant, on va faire la stratégie des petits pas. Vous connaissez mes contenus sur la fabrique du consentement et l'ingénierie sociale. Vous voulez manipuler une foule, c'est très simple. Vous y allez petit à petit, tout doucement, parce que vous avez tout votre temps. Alors que la masse, elle vit le moment maintenant. Et elle ne réfléchit pas à demain. Alors, ne lui parlez pas de la semaine prochaine, s'il vous plaît. Sauf si c'est pour parler des vacances, au Club Med. Donc là, vous allez vous retrouver avec cette carte ou une autre. Le principe sera le même. C'est-à-dire que quand vous ferez vos courses,
eh bien, votre caddie va vous coûter non seulement de l'argent, mais surtout va vous prendre sur votre quantité qu'on va vous allouer. Mais sur quelle base on va estimer que cette quantité-là, elle est juste pour votre consommation? Sur quelle base on va estimer ça? Et surtout, qui fixe les taux? Qui estime qu'un avocat, c'est 20? Mais là encore, on peut se dire, bah, je m'en fous, moi, de toute façon, j'aime pas les avocats, puis j'aime pas les trucs. Moi, j'ai envie de consommer de saison. Très bien, moi aussi, ça tombe bien. Sauf que toutes les personnes qui ont des lunettes, par exemple, ça pollue, le plastique. Je sais pas, vous avez des prothèses dans votre corps, des hanches, des pacemakers, des choses comme ça. Finalement, vous êtes une calamité aussi pour la planète, vous polluez. La télévision, bon, ça, à la limite, ce serait une bonne chance. Est-ce que vous imaginez tout ce que vous pouvez voir disparaître? Mais au-delà de ça, vous allez voir une catégorie de personnes qui n'aura plus les moyens de vivre, tout simplement, parce qu'ils céderont leurs droits aux autres. C'est pas grave, l'élite profitera pour vous, les amis. Vous pourrez être pauvre dans votre canapé, sans plus rien, peut-être sans chauffage, mais c'est pas grave. Au moins, vous aurez le métaverse. Et dans le métaverse, vous pourrez vous éclater comme jamais. Parce que vous irez dans ce monde virtuel, évidemment. Regardez Facebook, ça s'appelle plus Facebook, dites Meta maintenant. Eh bien, dans ce nouveau monde, vous aurez une vie géniale. Le seul truc, c'est qu'elle ne sera pas réelle. C'est pas grave. Ce qui compte, les amis, ce n'est pas la réalité, c'est la perception de la réalité. Alors moi, je vous encourage aujourd'hui à aller voir jusqu'où vous pensez que votre entourage est capable d'aller. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on aura notre compte bloqué? Parce que maintenant, c'est une fonctionnalité premium sur votre carte. Oui, évidemment. Si vous avez une fonctionnalité premium et que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, vous pouvez demander que votre carte soit bloquée quand le seuil d'émission carbone a été dépassé. Donc évidemment, c'est valable pour votre plein d'essence. Ça, je pense que tout le monde voit ça en premier. Mais c'est valable pour tout le reste. Imaginez tout ce que vous faites pendant une journée. Les sacs poubelles que vous utilisez, le nombre de fois où vous tirez la chasse quand vous allez aux toilettes, vous brossez les dents, l'eau que vous utilisez évidemment, les élastiques pour tenir les cheveux pour les filles. Alors, les ongles en gel, les filles, faites une croix dessus. Bon, ça c'est pas un mal, hein, parce que c'est pas... Enfin bref, je vous invite les amis, parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, on me dit oui, mais c'est très bien. Maintenant qu'on voit tout ça, on fait quoi? Eh bien, moi, je vais vous dire ce que je vous conseille de faire, les amis. Je vous conseille de prendre la réalité et de la regarder bien en face. Oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Oui, il va falloir faire un deuil et beaucoup, peut-être plus que ça. Vous voulez un conseil? Achetez de la terre. Plantez vos patates. Plantez vos carottes. Et barrez-vous. Barrez-vous dans un endroit où vous allez avoir du contact avec la nature. Parce que la prison la plus énorme qui est en train d'être construite, ça s'appelle la ville. Je vous remercie de partager cette vidéo pour les personnes qui ne voient pas ça arriver. Et sachez que finalement, ce que nous voyons autour de nous, c'est peut-être ce dont nous avons besoin pour nous réveiller de notre coma hypnotique depuis que les médias existent. Je vous souhaite des beaux moments en famille. Amusez-vous. Riez et surtout, vivez parce que c'est maintenant qu'il faut se lever et c'est maintenant qu'il faut aller investir dans la terre. Parce que c'est là où vous aurez la clé de demain. À bientôt.